Bonsoir et bon début de semaine à vous. J'espère que vous vous portez bien et j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end. Mon nom c'est Gilles Blas et je suis développeur. Aujourd'hui, moi je souhaiterais parler de la sécurité des sites internet. Donc, si vous avez eu l'occasion d'écouter l'actualité au courant de ces deux dernières années, vous avez certainement dû entendre parler des diverses attaques de sécurité qui ont eu lieu à travers le monde entier. Bon. Ce que je souhaiterais vraiment faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous donner 5 astuces que je crois pourraient vous aider à mieux sécuriser votre site internet ou vos applications. On n'est jamais vraiment à l'abri des attaques de criminels, des cybercriminels. Bon, malheureusement, ça c'est une réalité. Donc, tout ce qu'on peut faire vraiment en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, c'est d'être sur ses gardes et de constamment mettre en place des stratégies qui peuvent aider à être mieux préparé. L'astuce numéro 1 que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de mettre constamment à jour votre site internet ou application. Lorsque vous faites des mises à jour, cela permet de tout simplement rectifier les problèmes ou de fixer les éventuels problèmes qui pourraient survenir dans l'avenir. Donc, l'astuce numéro 2, c'est d'éviter les mots de passe trop simples à retenir. La majorité du temps, lorsque un pirateur va arriver sur un site, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de se connecter à la plateforme en essayant différentes combinaisons de mots de passe. Donc, ceci dit, par exemple, vous avez, si vos utilisateurs utilisent des mots de passe assez simples, ça peut être vraiment une porte d'entrée pour les attaques, les cybercriminels. Donc, la troisième chose que je vais vous donner comme conseil, c'est d'éviter de surcharger votre site web avec des extensions ou des outils qui ne sont pas très fiables. Si vous avez l'intention d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sur votre site, au lieu d'aller ramasser des codes un peu partout sur le net, c'est très important de vous référer aux sources fiables. La quatrième chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de protéger tous les formulaires de votre site internet avec des CAPTCHA. C'est quoi un CAPTCHA concrètement? Donc, un CAPTCHA, c'est tout simplement comme un mini-logiciel que vous pouvez ajouter sur votre site internet qui permet tout simplement de détecter si toutes les personnes qui viennent sur votre site sont des robots ou pas. Et dans ce cas, lorsque c'est un robot, ça va filtrer et éviter l'envoi du courriel ou de la connexion. Donc, la dernière astuce, donc l'autre astuce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de, si vous pouvez, activer l'authentification à deux niveaux. Donc, vous pouvez utiliser soit le mot de passe et un numéro de téléphone ou le mot de passe avec un adresse courriel. Ceci dit, ça veut dire à chaque fois quand une personne va essayer de se connecter, on pourrait l'envoyer un code par SMS qu'il pourrait utiliser pour valider qu'elle est vraiment la personne qu'elle prétend être. Donc voilà les 5 astuces que j'avais pour aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou des commentaires, ce serait un plaisir d'en discuter en bas de cette vidéo.